Bonjour tout le monde. Bonjour Jerry. Nous sommes du centre Ludéfond, au Salagos, qui se trouve au Vigan, au sud de la France. Je ne suis pas venu seul. On a un petit groupe, un groupe de 3 jeunes. Celui-là, c'est mon frère, Aboubakar. Il vient du Côte d'Ivoire. Il a 15 ans. Il a 18 ans. Il fait la peinture. Il passe un peu de peinture. L'autre, c'est Ibrahim. Il vient du Mali. Lui aussi, il passe un peu de peinture. Il a 18 ans. Moi-même, je suis Congolais, de Kinshasa. J'ai 18 ans aussi. Donc, je fais la métallerie. Donc, nous venons de pays différents. Chacun de nous a quitté son pays d'origine. Il est venu en France pour des raisons personnelles. On n'est pas venu seul, on est venu avec Delphine, elle qui nous a accompagnés de cet concours. Aussi Mathieu, il nous a soutenu des idées, comment on peut ranger notre scénario. Donc, lorsque Delphine, elle nous a parlé de cet concours au foyer, on était 25 jeunes, les autres, ils n'ont pas intéressé de ça. Alors nous trois, on est intéressé de ça, on a dit oui. Nous aimons, nous aimerons bien participer à ce concours pour expliquer l'expérience de notre vie. C'est pour cela qu'on s'est réunis nous trois. Comme nous venons de pays différents, chacun de nous a son histoire. Nous aimerons vraiment participer dans ce concours pour expliquer notre propre vie. C'est pour cela qu'on s'est engagé. Mais les inquiétudes, c'était que lorsqu'on était arrivé en France, c'est au moment des élections régionales. On s'est posé beaucoup de questions à propos de l'élection. On s'est dit que si le Front National s'est passé dans notre région, comment ça va se passer pour nous? Parce qu'on est là en France, on n'a pas de titre de séjour. C'est pour ça qu'on s'est vraiment entré dans cette histoire, de cette aventure. On s'est donné des idées pour faire bien ce scénario. Là, je laisse les paroles à Aboubakar. Il va expliquer notre scénario. Avant de commencer ce scénario, excusez-moi de le dire, ça fait 2 ans que je suis en France, et donc je ne comprends pas bien le français, et je ne parle pas bien le français. Avant de commencer, c'est un jeune garçon qui se nomme Tchafin. Tchafin veut dire en bamara, garçon noir. Le garçon noir, il partait au champ avec son père. Donc, il travaillait 15 heures par jour, à l'âge de 8 ans. Donc, il disait chaque fois à son père, il dit, papa, moi, je vais aller à l'école, comme mes amis, et comme d'autres personnes. Et son père lui répondait, l'école n'est pas faite pour toi, et ce qui est bien pour toi, c'est la dabar. Donc, ne me parle plus de l'école, donc, concentre-toi sur le dabar. La daba, c'est un outil où on se sert pour labourer. Ouais. Ce que c'est le daba. Donc, le jeune homme, il partait toujours au champ et il travaillait 15 heures par jour. De chez lui au champ, ça faisait 15 km. Donc, par jour, il marchait 30 km par jour à l'âge de 8 ans. Donc, du coup, il en avait tellement marre de travailler au champ, et chaque fois il appelait sa mère et il dit, maman, est-ce que tu peux supplier papa qui m'emmène à l'école, et moi je vais apprendre à écrire et à lire, et comme tout le monde, comme mes amis, quoi. Sa mère lui disait, tu sais, mon fils, ici, moi je n'ai pas la parole, c'est ton père qui a la parole. Donc moi je ne peux rien décider à ta présence. Le petit, il partait dans sa chambre en pleurant et tout ça. Et son père le réveillait à 6h du matin pour aller au champ. Donc, il y a un jour comme ça, il partait au champ. Il a ramassé un revue par terre. Et il a commencé à feuilleter le revue. Et tout d'un coup, il voit une femme blonde
souriante, élégante. Il s'est dit, mais quelle est cette dame? Elle est très belle, blonde, elle est souriante. Du coup, ce qui l'a beaucoup impressionné chez lui, parce que la dame, elle n'était pas de même couleur que lui. Donc vraiment, ça l'a beaucoup marqué, quoi. Et c'est... Vraiment, la dame l'a beaucoup plu. Donc, il a gardé la photo précieusement dans son jacoto. Jacoto veut dire, c'est une culotte, c'est fait à la base du pain. Donc, il a mis dans son jacoto. Il a continué son chemin. Il est allé travailler. Il a travaillé 15 heures par jour. Et il s'est retourné, il faisait tard. Et dans la nuit, là, il n'a même pas pu manger le repas de sa mère. Tellement il était fatigué. Donc, il regardait la photo chaque fois. Il regardait la photo. Il disait à son père, il dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi aller à l'école comme mes amis. Je ne vais pas mourir sans apprendre la langue française, sans l'écrit, quoi. Et chaque fois, son père le disait, non, l'école n'est pas faite pour toi. C'est la daba qui est faite pour toi, quoi. Donc vraiment, le petit, il était beaucoup choqué. Il restait toujours dans sa chambre, seul, il pleurait, tout ça. Et sa mère était là, elle ne pouvait rien décider pour lui. Du coup, un jour, il a décidé de partir. Il a appelé sa mère, il dit, maman, vraiment, moi, je vais partir. Je vais aller dans notre pays pour avoir vraiment une vie meilleure, quoi. Sa mère le disait, dans le pays où tu vas partir, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Et il disait non, je ne connais personne, mais je sais que je vais m'en sortir. Dieu est grand, et Dieu verra sur moi et comme tout le monde. Donc vraiment, sa mère l'a beaucoup encouragé. Elle a fait des prières pour lui, tout ça. Mais son père ne voulait pas qu'il parte. Donc il a appelé son père aussi, il a expliqué à son père. Son père l'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est ta propre décision, il n'y a pas de problème. Prends soin de toi et sois sage. Bon courage. Donc là, il est parti dans le premier pays où il est arrivé. Et il y avait le conflit des musulmans et des chrétiens. Vu que lui, il est chrétien. Donc là... Non, excuse-moi. Vu qu'il est musulman... Vu qu'il est musulman, donc il pouvait pas donner son nom, son prénom. Parce que là, il y avait le conflit entre eux, il y a des chrétiens qui massacraient les musulmans et tout ça. Donc là, il n'a pas pu donner son nom. Là, il est parti encore dans un autre pays, vers le nord. Là, il rencontre une femme un peu plus âgée que lui. Il a expliqué ce problème à la femme. La femme l'a dit, bon, il n'y a pas de problème, moi je peux t'héberger, tu peux rester chez moi. Donc du coup, il restait chez la femme, il faisait des ménages, il partait, au champ, aller prendre des fagots pour la femme. Donc chaque soir, il recevait de la femme un plat de riz ou soit un plat d'haricots. Donc il mangeait. Quelques mois plus tard, la femme décède. Donc là, il était de nouveau isolé. Donc, il ne savait pas où aller. Donc, il s'est engagé encore vers le nord, toujours vers le nord, en Algérie. Où il arrive en Algérie, il voit des nouvelles personnes, de nouveaux odeurs et tout ça. Donc, vraiment, c'était de nouveau pour lui, quoi, sincèrement. Donc là, il était un peu perdu. Vu qu'il ne parlait pas l'arabe, il ne comprend pas français, c'est que Bamara, il parle. Donc, il est arrivé dans un marché. Et il voulait travailler. Donc, il y a un monsieur qui l'a appelé, qui l'a interpellé. Mais vu qu'il comprenait pas l'arabe, le monsieur l'a indiqué avec sa main et tout ça. Il s'agit de prendre le bagage de ce monsieur et aller chez lui. Le petit dit, bon, il n'y a pas de problème, moi, je peux le prendre. Il a pris ses bagages Il a laissé le monsieur en retour. Le monsieur lui donne quelques pièces de dinar. Il met toujours dans son jacoto. Quelques temps après, il va encore dans le marché. Il voit à la télévision, il voit des personnages, des hommes vraiment qui sont différents de lui.
Donc vraiment, c'est ce qui l'a beaucoup motivé encore de partir. Voilà. Donc il avait toujours la photo de la dame qu'il a ramassée dans son pays. Donc vraiment, chaque fois, il regardait la photo, tout ça. Et après, il a continué encore. Ça, c'était, comment dire, vers la Libye. La Libye, il a rencontré des gens et ils avaient les mêmes idées pour traverser et tout ça. Donc, vu que lui, il n'a pas la force de travailler, il ne peut pas faire, des boulots physiques. Donc, les gens plus âgés que lui, bon, il a expliqué un peu que lui, il voulait partir en Italie, tout ça, mais il n'a pas les moyens. Bon, et ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux rester avec nous, on peut aller au boulot ensemble, tu peux nettoyer, faire des ramassages. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, quelques mois, ils ont fait ça, et donc, ils ont traversé la Méditerranée ensemble. Donc, ils sont arrivés en Italie. De l'Italie, on les a embarqués dans, c'était à Lampedusa. On les a embarqués dans le campo. Vu que là, ils ne comprenaient pas encore l'italien, il était toujours vraiment inquiet. Vraiment, il voulait aller dans un pays où on parle le français. Parce que là, c'était son but, quoi. Il voulait tout prix à apprendre le français. Il a écrit, on l'a dit, bon, ici, on ne parle pas le français, c'est l'italien, on parle, tout ça. Bon. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, il va chercher un moyen de partir dans un pays où on parle le français. Il prend le bateau encore, il arrive à Milan. De Milan, il arrive, il croise encore un jeune groupe des Africains. Là, il a vu ses frères qui parlaient aussi le même patois que lui, le Bambara. Donc, il les a expliqués, lui, il va aller dans un pays, où on parle le français. Ils ont dit, ah ouais, il y a un pays là où on parle le français, mais c'est un peu loin d'ici, il faut que tu prends le métro, le train. Du coup, ils sont allés à la gare, on leur a montré les panneaux, les horaires, que le train arrive, tout ça. Vu que lui, il ne s'est pas lu, c'était un peu bizarre pour lui. Il voyait les écritures passer, mais il ne comprenait rien. Là, on a dit, bon, tu peux attendre, dans 2 heures du temps, le train va arriver, donc là, tu vas partir. Donc là, vraiment, il était super content et tout ça. Il a attendu le train, et le train est arrivé, donc il est rentré dans le train. Et vu qu'il n'a jamais, pris le train, il ne savait même pas. Il a pris le train, il est assis. Il voyait des maisons passer, des personnages passer, le paysage. Vraiment, c'était un peu étrange pour lui, quoi. Donc, il a commencé à demander dans le train. Vraiment, il a demandé à une dame que lui va aller dans un pays où on parle le français. La dame l'a dit, ouais, en France. Il dit, oui, en France. La dame l'a dit, elle aussi, elle part en France. Donc, arrivé, ils peuvent descendre ensemble. Donc là, il était content, il était auprès de la dame. La dame le parlait en français. Il ne comprenait pas, lui faisait des gestes, tout ça. Tout ça. Donc, du coup, il arrive en France. Il sort de la gare, il voit des gens différents que lui et tout ça. Vraiment, il était content, quoi, sincèrement. Il était vraiment. Il voulait les parler, mais il ne peut pas. Il voulait les approcher et tout ça, vu qu'il ne parlait pas français, donc il avait un peu peur. Donc il demandait à l'agent, les gens ne le regardaient pas, on le minimisait en fait. Donc il avait toujours sa photo, la photo de la dame, et il voyait la photo de la dame sur les pancartes partout, il voyait la photo de la dame, tout ça, il dit mais... C'est la dame que j'ai sa photo là. Vu, il a commencé à demander les gens, quelle est cette dame, tout ça. On l'a expliqué que c'est une dame. En fait, il demandait la dame sa générosité, si
Ouais, c'est le connu, c'est le gentil. En fait, on lui dit que la dame, c'est Maréchal, Marion Maréchal Le Pen. Donc, vraiment, ça s'arrête là. Ouais. C'est tout. Bon, moi, je m'appelle Ibrahim. Mais pour réaliser le film, là, je pense que c'est possible. Parce que nous, on a un endroit pour lui faire réaliser le film. On a un coin, une chambre, que l'image qui peut passer, le jeune, il est à côté, pour réaliser le film. Bon. Bon, en fait, on vous présente quelques images par rapport à comme moi-même je fais les recherches sur internet pour quelques photos. Il faut que tu expliques que comme pour le concours il fallait que ça se passe dans un endroit seulement et que nous on raconte un voyage, on s'est un petit peu creusé la tête à savoir comment on pouvait raconter tout ce voyage en étant dans un même lieu. C'est pour ça qu'il parle de la chambre. Donc on a expliqué les recherches. Par rapport à pour le dessin, pour moi-même j'ai cherché sur internet quelques dessins avec la voix off, avec Aboubacar, lui-même il a cherché, il a dessiné quelques dessins, avec Bruno Mamboté, lui-même il a dessiné une carte d'Afrique, en plus on a un monsieur qui est... En fait, donc il y a la voix off... Il y a une voix off, donc c'est ce que vient de vous raconter, voilà, qui est le fil directeur, c'est ce que vient de vous raconter Aboubacar. Donc il y a un enregistrement, mais on a eu un petit problème technique. Pendant qu'il y a cette voix off, il y a tout un travail qui a été fait de recherche, donc de photos que vous avez vues, de dessins de la part d'Aboubacar et Bruno. Ouais. Excusez-moi, c'est juste que c'est difficile à expliquer pour ceux qui ne l'ont pas lu et je voulais juste résumer facilement. En fait, il y a la voix off qu'a vraiment très très bien fait Aboubacar, parce qu'il a vraiment raconté une grande partie du scénario, pour ceux qui l'ont lu, ce qui n'est pas facile, et franchement bravo. Et en fait, pendant cette voix off, il y a plein d'images qui vont illustrer cette voix off. Ça va être des photos, comme celle-ci, ça va être des dessins qui ont été faits par un grand dessinateur caricaturiste qui fait pour le Canard Enchaîné, Jean-Michel Delambre, qui les a fait spécialement pour cette voix off. Il faut savoir qu'il a déjà énormément travaillé. Et en fait, toute l'histoire va être comme le court-métrage que vous avez peut-être vu, L'île aux fleurs, où on raconte toute une histoire avec une voix off et des images, en fait, où on suit toute l'histoire jusqu'à ce qu'à la fin, toutes ces images sont sur le mur, sur un mur dans une chambre, et c'est la chambre où, là, en live, on verra le jeune homme qui pose la question de fin, que Aboubacar vous dira plus tard. Voilà. Ça, c'est un dessin de Bruno. Et justement, tu peux en parler. Qu'est-ce qui vous vient parler de l'utilisation de cette carte de la musique? Bruno, vas-y, tu parles fort. Ouais, par rapport au dessin qu'on vient de vous montrer, on était inspiré aussi de la musique, parce que dans la musique, là, c'est dans notre dialecte. Ça explique vraiment l'histoire des migrants. Comme au début, je vous ai dit que c'est... En fait, on parle de notre propre histoire. Donc, c'est pour cela que nous aimerions bien accompagner cette histoire avec la musique qui nous explique notre situation. On est tout inspiré de prendre aussi les dessins pour montrer les pays que nous avons parcourus pour arriver jusqu'à la France. Ça, c'est carte d'Afrique. C'était fait pour moi. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il y a aussi certains dessins. Ça explique. Et on verra le verre.
et on verra le personnage évoluer sur cette carte au fur et à mesure de son récit. Voilà. Elle va revenir, cette carte d'Afrique. Voilà. Donc, pour un va-et-vient de certains dessins qui sont repris plusieurs fois. Alors, tous ces dessins, ça explique le parcours des jeunes hommes. Ça explique le parcours des jeunes hommes depuis son village, depuis là-bas au pays, au bled, jusqu'à arriver en France. C'est ça, c'est que les dessins qu'on a pris, on a fait par rapport à ce parcours. Ça, c'est un dessin d'Abou Bakar. Ça, c'est un dessin d'Abou Bakar. C'est Abou Bakar qui a dessiné ça. Ici, c'est au niveau du village. Lorsque les jeunes hommes travaillaient au champ, son père, il insistait de travailler. Ouais, ici, lorsque le jeune homme il était arrivé au moment qu'il avait pris les bateaux pour essayer de venir jusqu'à la France. Donc ça, les bateaux que le jeune homme il avait pris. Et est-ce que vous voulez qu'on fasse un bout de la musique? Et donc, les garçons, c'est la traduction de la musique. Pardon. Les garçons ont fait la traduction parce que Ibrahim et Abou parlent tous les deux Bambara et ils ont fait la traduction de la chanson. Et à chaque fois qu'il y aura cette carte d'Afrique pour montrer le parcours du jeune homme, cette musique reviendra en leitmotiv avec la traduction en dessous. Non, ça ne marche pas. Vous cliquez droit, revenez en arrière et cliquez droit, lire avec vous. Lire avec VLC. Non. Regardez la sortie. Non. Ça lisait, ouais, c'est le son qui sort pas. En fait. Bon, sinon, on vous irez la chercher. Vous pouvez pas la chanter ? On pas de la musique, chien. Vas-y, tu peux nous expliquer. En fait, la musique, elle parle un peu des immigrants, ceux qui quittent les pays, qui viennent dans d'autres pays, qui fait 10 ans et 20 ans, sans avoir les nouvelles de leurs parents et tout ça. Chez nous, quand quelqu'un part, nous on l'appelle, l'aventurier. Mais ici en France, quand on arrive, on nous appelle les immigrés. Donc elle parle un peu de ça. Comme tout à l'heure, ce qu'il a dit, en fait, par rapport à les gens qui partent en aventure, qui laissent leurs parents à la maison, qui partent en aventure. Comme nous-mêmes, on est des jeunes, on laisse notre parent en Afrique pour venir en aventure. On sait que ce n'est pas facile. Par rapport à... C'est ça, il est en train de parler pour laisser ton parent en Afrique, pour venir à l'aventure. Tu te trouves seul. Tu n'as pas de parents, mais tu peux trouver les gens qui t'aident. Mais c'est, même s'ils t'aident pour faire tout, mais ça ne peut pas être ton père, ça ne peut pas être ta mère. Mais c'est ça, il est en train de parler, c'est un peu dur. Ça, c'est le débit, mais après, on compte. Alors, je propose de vous laisser la parole pour quelques questions.
jury, si vous le souhaitez. Je tiens à rectifier ce que vous disiez. Bravo pour la qualité de votre français. Vous parlez très bien français, vraiment. D'où vous est venue l'idée de cette dame? Parce qu'elle est fantastique, cette idée, quand même. Et elle traduit bien un point de vue intéressant. Voilà. D'où ça vous est venu? Oui, la dame blonde, pardon. Ouais. Ce magazine, la dame blonde, pour voilà, découvrir comme une chute hein, à la fin de ce scénario, qui elle est et quelles idées elle porte. D'où vous est venue cette idée? Bon, l'idée est venue, nous étions, comment dirais-je, comment ça s'appelle ouais, c'était pendant les élections, régionales. C'est de là que l'idée est venue. On s'est dit si Marion Maréchal, vraiment, si elle gagne les élections, qu'elle sera notre sort, quoi. Voilà, si on va retourner dans notre pays d'origine, soit si vraiment ça nous inquiétait beaucoup, quoi. C'est, jusqu'à présent aussi, ça nous inquiète, quoi. Parce que du conseil régional dépend de votre papier. Yeah. Et donc là, et du coup, c'était là et l'idée est venue, quoi. Yeah. Oui, comme Aboubakar il vient de dire, là, il a bien expliqué. En fait, cette idée, vraiment, on a fait entrer dans notre scénario. Au départ, nous ne connaissons pas Marshall Marie Le Pen quand on était au pays. Parce que là, au début, je viens de parler que c'est, nous sommes en train d'expliquer notre propre vie, notre propre histoire par rapport à notre parcours. Arrivant en France, on a compris, au moment des élections, qu'il y a Marshall Marie Le Pen, on voyait dans la télé, qu'il est contre tous les immigrés, tous les étrangers qui viennent en France. Comme notre titre de séjour, ça dépend de la région, on s'est posé vraiment des questions sur ça. Si Marisol, Marie Le Pen, elle a passé au pouvoir, nous, on ne peut pas vivre en France, parce que nous, tout pour nous, ça sera bloqué. Donc c'est pour cela qu'on a dit que, comme c'est notre propre histoire, il faut qu'on mette Marchand Marie Le Pen dans notre histoire. C'est ça, en fait. En préambule, vous parlez du court-métrage L'île aux fleurs. À quel moment du projet vous l'avez vu? Comment il vous a été présenté? Et qu'est-ce que ça a changé entre avant d'avoir vu le film et après, enfin, l'évolution? Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, de voir le film? En fait, on a vu le film. Et vraiment, ça nous a beaucoup impressionné parce que vu que c'est dans une chambre, c'est un chronométrage où les images passent et il y a la voix haute en bas. Ça va? Ouais. Donc, c'était après avoir écrit la voix. Oui, c'était après ça et on a fait la voix off. Ouais. Ouais, on a vu. En fait, tu peux expliquer la consigne de travail? Donc, pour le synopsis, c'était vraiment pendant les élections régionales et ça, c'était une préoccupation de tous les jeunes du centre. Mais c'était les trois seuls intéressés à participer au concours. Quand on a appris qu'on était présélectionnés, Mathieu, on l'a rencontré très vite, et il avait donné comme consigne, juste avant les vacances de février, aux garçons, pendant les vacances, enregistrez-vous, racontez l'histoire de ce jeune garçon. Et au retour des vacances, Aboubakar avait fait un travail admirable. Bon, Bruno était en stage, on a vu sa voix off après. Et du coup, on s'est basé sur ce travail. Il s'est enregistré sans s'arrêter 16 minutes. Et c'était vraiment admirable. Enfin, tous les trois, on l'a écouté. Et Ibrahim et moi, on était vraiment bluffés. Et c'est après qu'on s'est dit, mince, il faut cette unité de lieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On avait hésité entre deux courts-métrages. Je ne sais pas si vous voulez en parler. L'homme qui plantait des arbres, non? Ouais, on avait regardé aussi l'homme qui plantait les arbres. Cet court-métrage-là, on a regardé de l'homme-là, ça nous a aidé aussi. On a pris aussi quelques idées, inspirations pour bien finir notre histoire.
aussi et l'homme et aussi de l'île aux fleurs. Ça aussi, ça nous a aidé pour bien faire les images, pour mettre des images. Donc c'est une inspiration, on a pris vraiment au lit les fleurs, aussi l'homme qui plante les arbres. Ça nous a aidé pour terminer notre scénario. Et en fait, c'est vrai que toute la question était là. La complexité, c'était que l'histoire, c'était impossible à tourner avec les moyens qu'on aurait eu, ce vrai voyage, à mettre en scène. Là, même en essayant de se servir de décors en France qui pouvaient ressembler, c'était pas possible. Et donc, du coup, je leur ai dit, vraiment, vous faites juste la voix off déjà. Déjà, vous racontez cette histoire-là, et après, on la structure ensemble. Et après, visuellement, je pense, moi, en plus, je connais bien l'animation, et on va le faire en animation. Et je leur ai proposé ces deux films, et donc, ils ont choisi celui qui était le plus proche de leurs aspirations, L'île aux fleurs, et donc, avec toutes ces images, ces photos, ces dessins, qui, petit à petit, racontent une histoire. Voilà. C'était ça le processus en fait. Et là, d'un seul coup, tout est possible parce que ce film-là, en fait, c'est des images dans une chambre. Voilà. Donc le budget, c'est pas, on s'en fiche d'avoir un budget. Ce qui est important, c'est d'avoir un animateur et on l'a en fait. On a Samuel Tourneux, qui est un grand réalisateur d'animation, qui aime beaucoup le projet. Voilà. Donc le projet est tout à fait viable. Moi, c'était l'idée des dauphins. Est-ce que vous pouvez en reparler un peu? En fait, les dauphins, c'est-à-dire sur la mer, nous étions perdus. Donc, du coup, ce sont les dauphins et les oiseaux qui nous ont guidés, quoi. Ouais, sincèrement, sans les dauphins, vraiment, ça serait. C'était catastrophique, quoi. On a laissé perdre, vraiment, ce sont eux vraiment qui nous ont guidés, quoi. Ouais. Donc, c'est des vrais dauphins qui existent pour de vrai. Ouais, c'est les vrais dauphins, ouais. On peut dire même les dauphins, parce que c'était un petit bateau. On était presque nombreux, quoi. Parce que voilà, en fait, on était beaucoup, on ne sait pas comment on doit partir, on a rien sur nous pour montrer un endroit jusqu'en Italie. Mais de un, le dauphin, il sort, il saute, il sort, mais c'est les gens, on peut dire un peu des capitaines, qu'ils ont, voilà, ben eux, ils connaissent leur signe si le dauphin, il fait ça, quoi, qui nous fait, voilà, qui nous guide jusqu'à, on peut dire, jusqu'en Italie, quoi. Grâce à le dauphin, quoi. Et du coup, alors vous partez sur un film d'animation, mais par contre, la dernière image du film, c'est un vrai visage de Tchéfi. Et du coup, est-ce que vous l'avez déjà, ce fameux Tchéfi? Oui, Tchéfi, c'est moi, Tchéfi. Oui, du coup, c'est moi, oui. Donc, en fait, Tchéfi, ça nous rassemble nous-mêmes. Parce qu'au début, je vous ai dit que c'est vraiment notre propre histoire. Là, on a partagé notre propre histoire, notre vie. Depuis au pays d'origine jusqu'à ici en France, ce que nous sommes en train de vivre ici en France. Donc, on a simplement augmenté quelques idées. Mais c'est vraiment nos propres vies. Donc c'est vraiment notre histoire. Ben, par rapport à Tchéfi, je vous explique, c'est parce que c'est le nom de Bamara, c'est un nom Bamara. Tchéfi en français, cela veut dire que le garçon noir, en fait. C'est ça, Tchéfi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Tchéfi, c'est quoi Tchéfi? Tchéfi, c'est en français, c'est un garçon noir, en fait. C'est ça. Oui, du coup, il y a ce visage de Tchéfi et les derniers mots, comment vous les avez écrits, là? La dernière phrase et... Les derniers mots qu'il prononce, c'est... Voilà, là, il y a une intention forte aussi. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Les derniers mots qu'il prononce. Le dernier mot, est-ce que ma présence vous dérange?
ça. Le vous, c'est qui alors? La France, voilà. Quoi. Ouais. Ouais. Et le spectateur. Non ouais. C'est tout le monde. Tout le monde, quoi. Bon, pour les personnes qui n'ont pas entendu, il a dit le jury. Hein. Est-ce que c'est bon? On vous remercie beaucoup. Merci. Merci.